Alors, mon premier festival, c'est un festival qui a été initié il y a 9 ans par le maire de Paris, par Monsieur Delanoë, qui a eu envie de montrer aux enfants et de montrer aux petits parisiens que le cinéma, ça pouvait être abordable par tous. Ça pouvait être abordable à 4 euros la séance, ce qui est quand même très chouette pour les familles. Que ça pouvait aussi être un moment de convivialité, de fête, un moment où on fréquente aussi les salles de quartier. Puisque dans Paris, il y a un réseau de salles de quartier phénoménal. Il n'y a pas que des immenses complexes, il y a aussi plein de petites salles de quartier. Et l'idée, c'est d'amener les enfants et les familles, donc avec leurs parents ou avec les animateurs des centres de loisirs, parce qu'ils fréquentent aussi beaucoup le festival, à venir découvrir ou redécouvrir les salles de cinéma de quartier. Et puis, évidemment, avoir des films de qualité, des films anciens, qui n'ont peut-être jamais vu, qui n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de voir, des films très récents, puisqu'il y a aussi beaucoup d'avant-premières, et puis découvrir des films du monde entier. Donc c'est une envie de cinéma et une envie de proximité, de cinéma de proximité. Peut-être un peu comme c'était il y a bien longtemps, quand dans Paris il y avait des centaines de cinémas, et qu'on allait au cinéma de son quartier voir le film qui était proposé. C'est un petit peu ça l'idée du festival. Il y a une vraie notion de pédagogie.